Bienvenue dans Simo Auto. Le sujet d'aujourd'hui sera sur l'embrayage centrifuge. Le fonctionnement d'embrayage centrifuge et les avantages et les inconvénients de ce système. Un embrayage centrifuge et fonctionne sur le principe de la force centrifuge exercée sur une masse tournante qui agit comme une force d'engagement. Pour ceux qui ne le savent pas, la force centrifuge est la force apparente ressentie par un objet se déplaçant sur une trajectoire courbe qui agit vers l'extérieur en s'éloignant du centre de rotation. L'embrayage centrifuge est utilisé dans un système de transmission automatique. Cet embrayage est placé entre l'arbre moteur et l'arbre de transmission. Avantages de l'embrayage centrifuge. Le système ne demande pas de complexité technique, la seule maintenance se résume au contrôle et au remplacement des garnitures. Le système se met automatiquement en fonction à partir d'un certain régime sans intervention du conducteur. Ce système permet au véhicule de ne pas caler, mais uniquement en ville, et n'était pas aussi efficace en campagne. De même, pour les décélérations, sous un régime moteur déterminé, le véhicule se débraye de lui-même, avant le calage du moteur. C'est d'autant plus appréciable pour les démarrages en côte et dans les embouteillages. Inconvénient de l'embrayage centrifuge. Ce système requiert une haute vitesse de rotation du moteur qui rend le démarrage en poussant impossible. En décélération, si la vitesse sélectionnée est trop importante, le régime moteur peut chuter en dessous de la valeur d'embrayage, le véhicule se retrouve alors en roue libre, ce qui peut être assez déstabilisant. Son utilisation n'était optimale que pour la ville. Pour un stationnement en dénivelé, rien ne sert de laisser une vitesse en prise. Seul le serrage du frein à main immobilisera le véhicule. L'embrayage centrifuge ne permet pas à une prise de force de transmettre le couple important des moteurs actuels.